Salut mes petits jambonneaux, comment est-ce que vous allez? Je suis en grand menu, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes partis pour le quatrième épisode de Amnesia, A Machine for Pigs. Et je n'ai pas grand chose de plus à dire, donc je pense que nous pouvons reprendre. Alors là j'essaye une nouvelle méthode pour enregistrer ma voix. Donc à présent j'enregistre ma voix séparément du jeu, ce qui pourrait permettre une meilleure qualité. Ce qui pourrait permettre le fait de pouvoir élever le volume de ma voix sans toucher au reste. Ce qui pourrait être une très bonne chose parce que plusieurs fois on a eu beaucoup de mal à m'entendre, etc. Donc j'espère, franchement j'espère que ça pourra aider à ce problème là. J'espère qu'on pourra m'entendre mieux, qu'on pourra entendre le jeu pas mal non plus. Parce que si on entend que moi au final ça n'a pas énormément d'intérêt. Parce qu'effectivement il est important d'entendre le jeu aussi. Et nous sommes repartis. 18 octobre 1899, ou 99 si vous préférez. Plusieurs évents de collecte ont été fixés au plafond à ce stade de la chaîne. Lors de l'assommement et du saignement, le produit refoule souvent des vapeurs nauséabondes issues de son système digestif, et celles-ci peuvent être récupérées, condensées et utilisées dans la chaudière à méthane pour alimenter le moteur. Ainsi, plus le produit est traité, plus il génère de puissance pour la machine et plus sa productivité augmente. Un simple coup de génie, mais un coup de génie capable de tirer parti de l'automatisation autorégulatrice. C'est la concolexicomatisation de l'eau du marché. Tiens, je suis en QWERTY. D'habitude, j'ai pas ce problème-là. Enfin bon, on s'en fout en fait. Ok, un peu de lag du début, comme à l'habitude. Là, c'est plus que du lag, c'était carrément du freeze. Donc, que vais-je faire? Ah, si je me souviens bien, je pouvais pas faire aller les trucs. Bon, c'est pas grave. On va passer à la suite. Y'a quoi là? Ah d'accord, je comprends mieux pourquoi je pouvais pas, il y a encore d'autres fours. Je suis censé pouvoir éteindre ou quoi? Ok, il y a un petit dong dans le jeu. C'est pas grave. Ça, je peux pas le prendre. Alors là, il y a 6. Ouh, c'est pas très joli par ici. Non, l'ambiance est excellente, je suis vachement fan quoi. Alors là ça brûle comme il faut. Et là ça ne brûle pas du tout. Oh, j'ai une note. Les bras de Lily sont en acier, les bras de Lily sont silencieux. C'est quoi ce titre? Les pistons sont silencieux, l'usine est à l'arrêt. Je crains de devoir mettre les mains dans le cambouis pour me frayer un passage. Compte tenu de la taille de ces moteurs, tout porte à croire que le complexe est beaucoup plus grand que ce que l'on peut voir en surface. Mon ami a sûrement raison, la majeure partie de l'usine doit être souterraine. Nous sommes tout près de la Tamise, pas étonnant que les risques d'inondation soient si grands. Ouais, ils sont grands. Alors, y a rien là-dedans? Ah non, y a carrément rien, faut que je mette... Est-ce que je dois mettre 6 trucs dedans? Je vais mettre tout ce que je trouve. Et on verra ensuite. C'est tout? Y a que ça comme charbon? Je peux pas en prendre plus? Y a pas de ce côté-ci? Si, il y a deux. Je peux pas. Ah ouais, non, je peux pas les envoyer très loin. Dans le 1, on pouvait les envoyer super loin. Dans celui-ci, on peut pas vraiment. Ouais, c'est ça quoi, ça leur va pas loin du tout. Soit c'est parce que ce truc-là est particulièrement lourd, soit c'est parce que c'est chiant en fait. Ah non, j'espère quand même qu'on peut envoyer plus loin que ça. Parce que imagine pour envoyer un item sur la tronche des ennemis, ça va pas être terrible. Bon, je vais laisser comme ça à 3, c'est pas mal. Et non, ferme-toi. Voilà, j'appuie. Firefly. Ok. Donc ensuite, maintenant que ça s'est activé, je vais aller retourner près des leviers. Et nous verrons ce qu'il se passe. Oh, une tête de cochon. Ça apparaît n'importe où ces trucs. Ok, là-bas il y a un truc. 3. Ah ouais, celui-ci n'est pas alimenté non plus. Alors je vais prendre des morceaux de charbon que je trouve là. C'est tout, il n'y a pas d'autre. C'est tout, il n'y a pas d'autre. Voilà. Et voilà. Feu et acier. Les foyers sont entretenus. Si cet endroit a été conçu par le même architecte que l'usine chimique, les pistons doivent être reliés à un système de contrôle centralisé qui ne devrait pas être difficile à trouver, en espérant que le saboteur soit contenté d'éteindre les foyers. Bah ouais, on va espérer ça.
Ça fait beaucoup que ça fait. Tac. Tac. Et tac. Ok. Évidemment, Katsuki déconne. Ça devait déconner, c'était évident. Je sais pas trop quoi faire, le son va fort. Oh putain, il m'a fait... Je m'attendais pas à voir ça. Enfin bref, c'était juste un cochon. Ok. Toutes les lumières qui sont éteintes. Ah, là c'est ouvert maintenant. Ok. Pour le moment, ça a l'air de bien se passer. Je sens que je vais me retrouver au nez à nez avec cette saloperie en fait. Et je ne saurais pas quoi faire. C'est dans le 1, il suffisait de... Oui. Ok. Ok, ok. J'ai augmenté un peu la sensibilité de ma souris, j'espère que ce sera utile. Parce que je galérais un peu, faut bien l'avouer, jusque là. Oula, la lumière qui vient, ça veut dire qu'il y a une bestiole pas loin. Non, ça va. Ça me semble bon. Je sais pas trop quoi. Là, il doit vraiment pas être loin du tout. Ah bah je sais pas où il est. Ah, il est juste là. Il est juste là. Et je crois qu'il m'a spoté. J'espère qu'il m'a pas vu. Ah putain, il est juste là. Ça fait comme... Oh oh. Là il m'a spoté. 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 Ouais. J'essaie de me tirer. J'attends, je pensais qu'il allait passer tout bêtement comme dans l'épisode précédent. Mais il n'en est rien, il m'a spoté. Et je l'ai dans le cul. Ok, il est tout près de moi, il y a la lumière qui clignote. Oh putain, il y en a un autre. Aïe, mon cul, mon cul, mon cul. Je suis dans la merde, je suis dans la merde. Je vais me faire bouffer la face, je sais pas. Ouais, je vais crever. Je vais crever. Là, ils seront deux. Qu'est-ce que je dois faire, putain. C'est génial. Je sais pas quoi faire, je me fais poursuivre par des porcs dégueulasses. Je peux sauter là-dessus. Oups, non, bien sûr que non, ce serait trop facile. Faut que je fouille. Je vois rouge. Ça clignote, il est juste derrière moi. Je peux rien prendre et lui lancer sur la face. Non, bien sûr que non, ce serait trop simple. Mais je vois pas ce que je peux faire, en plus, c'est carrément énervant. Ok, la évidence est fermée maintenant. Il y a deux cochons derrière moi. Ah, il y a des clignotements, enfin des particules qui se mettent sur l'écran un peu comme dans Slender. Ok, là je suis en train de tourner en rond. Sans la moindre idée de quoi faire. Oh putain, ils sont juste là. J'ai l'impression que j'ai eu le temps de récupérer ma vie là en fait. Mais qu'est-ce que je dois faire? Y a rien à faire ici. FAR. Bon. Y a pas un escalier, y a rien du tout. Oh, ok, vois-je là. Aïe, c'est mal. Une note. La descente continue. Que m'a ordonné cette sinistre voie? Piston, tunnel et pompe de cale. Attends, on dirait une formule magique, quoi. Piston, tunnel et pompe de cale. Et si les portes sont verrouillées, je trouverai un autre moyen de descendre. Je ne peux pas lui faire confiance, mais il me faut poursuivre. Je ne dois pas prêter attention à ces bruits, de pas que j'entends là-dessous. Je braverai le danger et je les sauverai. Disons surtout que là je viens de me faire poursuivre par deux porcs. Et bizarrement ça me semble plus facile que dans le 1, en ce sens où normalement dans le 1, ce qui vaut aussi, j'aurais déjà dû me faire défoncer en fait. J'aurais déjà dû être mort. Mais bon. Où est-ce que je dois aller? Je vais aller voir par là. C'est violent quand même hein. Disons le franchement, c'est violent. Oh putain, il y a un truc là et il était pas à 4 pattes celui-là.
Oh, il a disparu. Donc j'ai vu un truc à passer et il semblait humanoïde. Ce qui ne sent pas bon en fait. Je peux pas appuyer sur le bouton. Qu'est-ce que c'est? Transport de produits chimiques, danger hautement corrosif, hautement inflammable. Alors, si c'est aussi hautement que ça. Oh. Ah ok. Dans le nid d'œufs, envolé de moineaux et de colombes, regardez tous ces anges pleurer dans le ciel. Il n'y a plus de clémence, plus personne à sauver car ma douce Lily s'en est allée. Oh, c'est beau. C'est vachement beau. Ouais. Bon, le chargement est généralement assez long. On va voir ce qui va se passer. C'est vachement lumineux dans ma chambre, c'est pas cool ça. J'aurais préféré qu'il fasse plus sombre, mais bon, voilà. Encore une fois, aujourd'hui je m'en vais l'après-midi, etc. jusqu'à assez tard. Et je dois me lever tôt demain, ce qui fait que j'aurai pas le temps de faire ma vidéo le soir. Donc je la fais maintenant, il est quand même assez tôt. Bon, ma fenêtre est bloquée. Enfin, la fenêtre est, Ah, comment est-ce qu'on peut dire ça? Il y a un truc devant ma fenêtre pour éviter que ce soit trop lumineux. Entre autres pour qu'on voit ma tronche. Et aussi, bien sûr, pour... Qu'est-ce qui s'est passé? Et aussi donc pour que... Pour assombrir un peu la chambre quoi. Et on dirait que c'est tout lumineux comme ça, mais en fait ça l'est pas tellement non plus. Mais bon, c'est pas génial quoi. Ok, bah je me suis fait défoncer par un truc, je ne sais pas quoi. Je m'en vais. Oh, une note. Sabotage, contusionné, amoché, mais en vie. J'ai survécu à tous les pièges du saboteur. Un duel épique s'est engagé entre lui et moi. Mais je suis bien décidé à retrouver mes enfants, je ne renoncerai pas. Je dois ignorer la folie qui m'entoure et ne pas penser aux actes cruels et abominables qui ont été commis ici. Je dois trouver le chemin de la cale, évacuer l'eau et libérer mes enfants. Ouais. Allô? Vite, Mandouche, trouvez l'entrée, vous y êtes presque, les enfants pleurent dans le noir et l'eau continue à monter. C'est pas bon ça. C'est tout? D'accord. Oh, une note. 15 juillet 1899. Pour faciliter l'assimilation des groupes de tissus, un composé s'impose. A défaut, la liaison des cellules sera impossible. La mise au rebut des sujets non liés doit être immédiate via incinération pour éviter toute animation sans forme. C'est désagréable. Un simple composé comprenant une infusion vitae de Brennenburg d'une part et un disperseur d'orgone de monade de l'autre suffit. Ce composé peut alors être administré par voie intraveineuse au sujet après réassemblage pour préserver la liaison. Le composé s'avère instable et hautement réactif à la lumière. Une fois dans l'organisme, la lampe de Schumann peut être utilisée pour l'activer, mais à l'intérieur il est hautement corrosif. Il peut même détruire de petites quantités de métal. Oh, ça c'est du corrosif. Que je peux prendre, j'ai vu une main. Ah, oh, c'était la chaise. Ce n'était que la chaise. Alors, oh, je peux ouvrir des trucs. Là, il y a une sorte d'alambic. Là, il y a des bouts de bois. Là, il y a une sorte d'alambic. Parce que pas d'alambic, c'est plutôt un truc. un machin qu'on met au-dessus d'un bec benzène. Bref. Qu'est-ce que c'est que ce drôle de bruit? C'est quoi ça? Ah, c'est une grenouille disséquée. Excellent. Oh, c'est excellent. Regardez-moi ça. Enfin. Accès de maintenance. Il y a manifestement un passage de l'autre côté de ces portes verrouillées. Le cadenas est vieux mais solide. Et après cette chute, je ne peux pas compter sur ma force pour le fracturer. Je trouverai peut-être un autre moyen. Oh putain. Ok. Ok, ok. On peut continuer notre chemin. Je comprends même pas pourquoi ça m'a autant fait rire. Enfin. Et ici, il y a des tiroirs. Rien. Rien. Enfin, un livre, on s'en fout. Et des lunettes. Pas de dentier cette fois. Ok, il n'y a que dalle ici.
C'est cool d'ouvrir des tiroirs et qu'en fait il n'y a rien du tout au final. Qu'est-ce qui se passe encore? La centrifugeuse. Ce drôle de dispositif semble servir à mélanger des composés chimiques et il s'en dégage encore cette épouvantable odeur. Il s'agit manifestement d'un composé, d'un mélange explosif de deux ingrédients. Je parie qu'ils ne sont pas bien loin. Ah bah c'est bon ça, s'ils sont pas bien loin. Il y a moyen de se marrer. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut rien en faire. Stockage basse température. Ah, tous les coups, faire le chemin et tout, et envoyer les composants par les tuyaux. Enclos. Bah tiens, on va aller aux enclos. N'empêche, la poursuite avec les cochons tout à l'heure, c'était quelque chose. Hein. Ils étaient deux en plus, et je suis même pas mort, quoi. Comme je l'ai dit, dans le 1, j'aurais déjà dû être foutu à ce niveau-là. J'aurais été mort depuis bien longtemps. Alors j'espère quand même que vous voyez un petit peu mieux quand j'ai pas de ma lampe. Oh putain, encore un. Ah, je peux rien faire. Ok. J'ai presque été surpris quoi. Mais bon, il y a un cochon dans le coin et ça s'appuie. Silence, ne pas effrayer ou contrarier les acquisitions. D'accord. J'en prends bonne note. Quoi, faut encore que je fasse comme tout. Non, pas cette fois. Oh, un ours en peluche. Oh, une note. Oh, c'est long. 20 août 1899. Je vais tracer, je vous préviens. J'ai encore reçu de simples d'esprit aujourd'hui, le plus misérable spécimen de l'humanité que j'ai jamais vu. Personne ne demande où ils vont. Les autorités de Bedlam sont tout simplement ravies de se débarrasser de ces êtres grouillants et puants. Nous mesurons leurs crânes, vérifions leurs dents. Nous leur administrons du laudanum pour les calmer. Ils attendent en ligne, tel du bétail, les yeux sombres et la peau sale. Bon nombre se souillent eux-mêmes pendant l'attente. Oh. Ils accèdent aux manipulateurs en silence, j'entends le sifflement du gaz, j'entends le grincement sinistre des dents qu'on arrache, des os qu'on remboîte, j'entends les porcs crier, nous avons retiré tous les miroirs, une fois le processus terminé, leurs reflets les perturbent énormément, ensuite lorsqu'ils dorment je vais les voir, je leur parle, je leur murmure qu'ils sont mes enfants maintenant, j'ai à nouveau des enfants et leurs formes imparfaites permettront à mon sang de couler à nouveau. C'est glauque. En gros ils transforment des simples d'esprit en porcs, et il les prend et il leur dit pendant qu'ils dorment qu'ils sont comme ses enfants quoi. Imagine, il transforme des gens en monstres et la nuit tu vas aller voir, tu fais « Tu es mon enfant. » Là-bas, mettez-le dans le coin. Pardon, vous croyez que je parle le prussien et j'ai l'air de porc consanguin, monsieur. Ça ne passe pas pour le prussien, ça. Peu importe ce qu'il contient, contentez-vous de le poser délicatement et laissez-moi. Ok, cette porte est verrouillée. Oh, il y a une porte là qui vient de se fermer toute seule. Ça se trouve maintenant je peux même plus ouvrir. Et c'est ça, je suis trop fort. Bon, bah tant pis, on peut revenir sur nos pas. Ah, mais attends, celle-là elle était fermée. On va y aller doucement parce que je sens le cochon arriver. Sans le porc grillé. Par contre, s'il y a déjà. Ah ouais. Il m'a souhaité aide. Et il est sur deux pattes maintenant. Oh merde, je suis foutu. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? C'était un faux cochon? C'est bizarre. N'empêche, il est un peu plus nerveux que le 1 à ce niveau aussi. Hein. Moi, dans le 1, je voyais un mob, j'arrivais à faire en sorte de pas me faire voir ou de me cacher tranquille et tout. Ici, on peut pas se cacher quasiment ni rien, c'est complètement galère. Et voilà, que dire de plus? Qu'est-ce qui se passe ici? Allô? Désolé, je peux pas résister à le faire à chaque fois en fait. L'ascenseur a été saboté, vous allez devoir trouver un autre passage pour rejoindre les tunnels. Méfiez-vous de cet endroit, Monodus, le mal route dans les couloirs. D'accord. C'est pas bon signe ça, ça veut dire qu'il y a des cochons partout. Et c'est ça qui rend aussi le jeu un peu plus nerveux que le 1, c'est que s'il y a des mobs partout, déjà le premier mob qu'on croise ils sont deux. Donc ça aide pas trop. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Et jusqu'à maintenant j'en suis entièrement satisfait. Je suis même content de l'avoir acheté en précommande.
Voilà, j'ai envoyé le produit par le truc comme j'avais dit. C'est quoi ça? Je meurs si je vais là-dedans? Ouais, c'est pas très agréable apparemment. Osvald Mandus n'aime pas ça. Il doit y avoir un truc pas loin. Je ne vois rien pour le moment. C'est pas rassurant tout ça. Là, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas si vous voyez, tant pis, j'allume la lumière. Ok, c'était un gamin qui était buggé. Il y avait un gamin buggé. Ah, Teddy Bear. Il y a des enfants partout ici. Oh, une note. De nouvelles. Ah, 4 août 1898. Oh, c'est un an avant tous les autres messages. De nouvelles expériences ont lieu avec le composé X. Je l'ai injecté à un chien avec de la strychnine. Pris de convulsions et de spasmes, il est mort peu après minuit. Je l'ai plongé dans une immense cuve à composé X et y ai introduit un courant alternatif à l'aide de la bobine à induction pendant 3 minutes et demie. Il est partiellement revenu à la vie, mais le mal dont il souffrait avant sa mort n'a pas disparu pour autant. La strychnine a continué d'agir sur le pauvre animal jusqu'à ce que je lui tire une balle dans le crâne. Et la noyade, peut-être, oui. Elle passe pour être le plus doux des suicides. En cas de noyade, le remplacement du fluide contenu dans les poumons par du composé X devrait théoriquement permettre un retour à la vie. Il me reste déjà plus que 10 minutes pour ma vidéo. C'est un peu. Je sais pas si vous avez vu le jeu Maher, un jeu qui est fait par des Français, où il y a le manche-lumière en gros, que quand il apparaît, quand il est tout près de toi. C'est un peu le méchant du jeu. Hein. Quand il est tout près de toi, il y a toutes les lumières qui clignotent une par une. Ici, c'est un peu pareil. Quand il y a le cochon qui arrive près de toi, il y a plein toutes les lumières qui clignotent. Oula. Ok, c'est cool, je suis pas mort. Et voilà. C'est assez amusant. Qu'il y ait ce point-là, je veux dire. Hein. Amusant qu'il y ait ce petit. Quoi comment. Il est tombé sur ses mains et elles se sont décomposées sous mes yeux. Décomposées, décomposées. La prochaine fois, nous utiliserons une proportion égale d'infusion vitae et de disperseur d'orgone. Non, non, emmenez-le, vous pouvez le jeter dans la rivière, ça m'est égal. Sympa. Stockage basse température. Ok, il fait froid ici en fait. Ah, et il y a sûrement un. Ah, ok, c'était pas un couvercle en fait, c'était un trou. Ce qui fait que moi je pensais qu'il y avait un couvercle qui allait se relever, je pouvais avoir le machin en dessous. Mais non, pas du tout, c'est pas ça. Oh, une note. Un avertissement. Il est en flamme, il brûle, il saigne de partout, de l'avant et de l'arrière, et il se répand le long de mes jambes, du sang et des excréments. Oh, mes poumons sont dans mon vomi. Quoi? Les caillots de mes organes tombent sur la pierre souillée, bois cela dit-il, et j'ai bu, et j'ai fait ça. À cause des changements, ils ont murmuré en moi, mes dents se déchaussent et s'éparpillent telles des souris dans le noir. Impossible de toutes les récupérer, je ramasse ce que je peux, je les pousse dans mes gencives grises, mais mes ongles larmoient et tombent. Buvez, dit-il, cela fera baisser la fièvre, car tout le monde ne peut pas endurer le changement. Sur l'autre table, une couverture, sous celle-ci, une créature. Je n'ai jamais voulu voir ce qu'il y avait là-dessous, mais elle a bu elle aussi. Je l'entends boire, Dieu Tout-Puissant, comment un homme peut-il perdre autant de sang et ne pas succomber? C'est génial, c'est quoi ce message? C'est ignoble, j'adore! C'est quoi ça? Qu'est-ce que je viens de récupérer? OMD. OMD! Ok. Et je peux en avoir plus? Plus d'OMD? Ouais, je veux plus d'OMD! Donne-moi de l'OMD, donne-moi de l'OMD. Excellent, je peux avoir autant de trucs que je veux. Bref, on s'en fout en fait. Tac! On envoie! On va laisser peser. Ah, c'était pas ouvert là tantôt. Ah si, bah si, c'est de là que je viens. Bien que. Ah si, si, c'est de là que je viens. À moins qu'il y ait une porte qui ait disparu. Bon, y'a un cochon qui va arriver et ce sera sûrement un fake comme tout à l'heure. Ou peut-être pas. Je sais pas, je m'en fous, c'est pas grave. Sinon, je. Pas bon signe, je dois avoir. Ah merde! Qu'est-ce qui se passe? Mais d'où tu sors toi? Ah mais d'où tu sors? Je sais pas où aller, je vais mourir! Bah je crois que c'est fait.
C'était prévu que je meure au moins. Je suis où? Ah ok, bon bah tu sais quoi? J'en ai rien à foutre, je vais tracer mon chemin. Et s'il y a un ennemi tout près qui arrive, eh bah tant pis, je continue à marcher. Bah ouais. Ok. Et il me manque un composant. Je peux faire un truc avec ça maintenant. Je sais pas ce qui se passe. Il y a un truc qui doit bouger quelque part. Ah là. Ce cache basse température, c'est fermé. Ah ok. Il se passe un truc. C'est tout? Peut-être que c'est le machin où il y avait rien et que maintenant il y a quelque chose peut-être. Ah oui, ça doit être ça, c'est ça. J'ai une note. Une cuvée capiteuse. J'ai trouvé le composé. Il siffle et fume dans son récipient comme s'il était vivant. On dirait une gelée de sorcière brûlante et corrosive. Curieusement, le récipient est en verre. Peut-être y a-t-il une raison à cela. Ce composé X ne doit pas être mis en contact avec du métal. Il me faut plus d'indices. Oups, j'ai laissé tomber un truc ultra corrosif. C'est quoi le bzbz? Bon, bah j'ai le composé X. Maintenant, de là à savoir qu'en faire. Peut-être que je dois le mettre dans un ascenseur ou quoi là. J'avais vu un ascenseur un peu. Ah, bah oui, je sais ce qu'il faut que je dois en faire. Voilà. Et maintenant, je peux ouvrir la porte. Non, pas encore, faut attendre que ça. Rien en faire. Le machin bouge encore. Bon, qu'est-ce que je suis censé pouvoir en faire? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, peut-être que je dois. Ah oui, il réagit à la lumière, ils ont dit. Ils ont dit que ça réagissait à la lumière. Alors, je vais essayer de choper la lampe. Voilà, ça fonctionne. Puisque le machin réagit à la lumière. Et hop! Voilà, c'est comme ça qu'on veut qu'ils font les pros. Je peux pas refermer la porte? Je peux juste bouger la lumière? C'est quoi ça? Euh, 27 minutes, ok, j'ai encore un peu de temps. Par ici, papa, plus vite, plus vite. Ok. J'ai pas le choix, on dirait. Voilà. Ce monde qui fuit. La bouteille de gin était vide, le sommeil semblait impossible dans le ciel londonien, il voyait le temple s'élever dans le brouillard. Bon, chargement toujours aussi long. On va attendre, ça me fait perdre du temps à crever. Ah bah ça fait déjà 28 minutes et demie, je vais pas tarder à devoir quitter, vous quitter tout simplement. Donc bah, que dire? J'attends. J'attends toujours. J'en ai marre d'attendre. C'est bon là? Ok, ça comme... Voilà, je peux jouer. Normalement. Allez, laisse-moi jouer. Ok, je peux jouer. Et il aime bien crever sur place, hein. Le personnage principal, Osvalmandu, s'arrête à chaque fois, il se retrouve par terre en train de tousser ou quoi. Oh, des ossements. Ok. Une note. 22 octobre 1899, c'est long, je vais aller vite. Naturellement, une fois saigné, le produit doit être ébouillanté, gratté et ses poils arrachés avant d'être suspendu, accroché et viscéré. Pour ce faire, nous le soumettons à un bain de vapeur, maintenu à température constante moyennant le transfert de surplus de haute pression des moteurs via la chaudière et une série de gros tuyaux en cuivre en direction d'une chambre en pierre située dans le sous-l'hospice. Au cœur de la machine se trouve un composant qui doit être maintenu à basse température et qui contrôle les opérations de traitement du produit dans tout le système. En plus de cela, la réfrigération est de plus en plus...
est de la plus haute importance pour conserver les qualités du sujet et requiert la suppression de toute source de chaleur dans certaines zones de la machine. Deux problèmes sont alors résolus moyennant une même solution, la suppression de la chaleur issue de certaines zones et l'augmentation de la chaleur dans d'autres. Les panneaux conducteurs attirent la chaleur grâce au principe de convection régulée de la chaudière ainsi que l'envoi d'air froid le long de tuyaux dans un sens et de vapeur bouillante dans l'autre. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Sinon vous appuyez sur pause et vous lisez vous-même hein, s'il faut. N'est-ce pas dangereux de laisser ces immondices se déverser si près du cœur? Ah mais ça fait voilà, ça fait 30 minutes. Le courant alimente les turbines. Il y aura toujours un torrent d'excréments dans cette île. Nous pouvons nous en servir pour augmenter et stabiliser la production de vapeur. Bon sang, quelle puanteur, voilà le produit de notre époque, des matières fécales. Ah, une note. Les tunnels inondés. Mon mystérieux ami avait raison, les égouts sont bien inondés. Pour pouvoir continuer à descendre, je dois trouver les écluses et faire baisser le niveau de l'eau. L'odeur est difficilement supportable, elle donne des haut-le-cœur, mais pourquoi le saboteur a-t-il inondé les tunnels? Quel était son but? Bon bah, mes petits jambonneaux, c'est ici que je vais vous laisser, devant cette magnifique image d'égouts empuantés de matière fécale par milliers. Donc, j'espère qu'il vous aura plu de regarder cette vidéo autant qu'il m'a plu de la faire. Tout simplement, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est ce que je pense à chaque fois. Je vous souhaite un bon matin, bonne journée, bonne nuit, bon après-midi, bonne soirée, bon midi. Bonne vacances, joyeux Noël, joyeux Pâques, joyeux Halloween, bonne année, etc, etc, etc. J'ai oublié joyeux Hanouka, pourtant c'est un peu mon habitude de le dire. Eh bien, mes petits jambonneaux. À la prochaine. À la prochaine.